Non. Je veux apprendre à mon chien à s'arrêter sur demande. Pourquoi est-ce que je veux pas avoir un chien devant moi? Tu peux pas passer d'avoir un gros bidou de 20 kg en faisant 10 pompes à avoir des abdos. Eh bien, c'est la même chose avec ton chien. Je recommande Educ Dog Life à tous ceux qui ne savent pas comment faire avec leur chien. Un mois et demi après le début de la formation, j'ai ouvert mon entreprise. Alors que certains préconisaient l'euthanasie, nous on arrive à faire en sorte de sauver ces chiens. Hey, bonjour à tous et bonjour à vous les maîtres. Bienvenue dans cette vidéo sur comment apprendre le stop à ton chien à distance quand il part courir après quelque chose, que ce soit une balle, un chien, un jogger, un vélo. Non! Je veux apprendre à mon chien à s'arrêter sur demande. Je peux ensuite agrémenter d'un non-stop ou d'un non-stop assis ou couché. Et ensuite, libre à moi, soit de rappeler mon chien, cucu au pied, soit libre à moi, cucu, allez go, d'aller chercher directement le jouet. C'est ce que tu vas découvrir dans ce tuto. C'est parti. Donc, numéro 1, tu peux pas passer d'avoir un gros bidou de 20 kg en faisant 10 pompes à avoir des abdos. Eh bien, c'est la même chose avec ton chien. On va devoir y aller étape par étape et progressivement. Donc, pour les débutants, on commence à la maison avec une laisse ou dans le jardin ou en balade avec une longe. C'est parti, let's go. Je vais m'équiper d'une longe. C'est bien, eh, pas mal, vous avez vu. Alors, une longe, c'est une longue laisse de 10 à 15 mètres. Si tu as un chien de plus de 15 kg, 10 kg ou plus, je t'invite à avoir une longe de 15 mètres. C'est génial en balade, ça va te permettre de le détacher en étant serein, qu'il n'y ait pas directement de danger. Donc on y va. Je vais commencer avec une longe et ma laisse. Donc je vais présenter directement la balle à mon chien. Qu'est-ce que c'est mon cucu? Je vais la jeter et je vais quand même tenir ma longe. Pas super loin, mais quand même un petit peu. Allez! Et au bout d'un moment, mon chien va automatiquement s'arrêter puisque la laisse est fixe. Dès que mon chien me regarde ou ne tire plus et attend, cucu, allez, reviens. Excellent, c'est super. Je récompense parce qu'il est revenu. Cucu, allez go! Yes! Et il peut y aller, d'accord? Donc, ça va être un exercice de tenue de longe dans un premier temps. Et quand il va arriver au bout de la longe, regardez ça. On joue avec quoi? Le claquement de doigts de Thanos. Oh, mais ça n'a pas marché. Cucu. Ouais, mais tu sais que dans Avengers, il le fait une fois quand même, hein, pour décimer la moitié des êtres vivants. Hein. Donc, on respecte Thanos. Quand même. Allez, on y va. Maintenant, je peux faire la même chose. Et au moment où je vais la jeter, regardez bien, je vais dire non. Cucu, non. Je tiens ma longe, on est bon, excellent. Et quand je vais lui dire go, bah, je vais aller l'aider, marcher avec lui. Cucu, allez go! Allez mon cucu, wouhou! Et je déroule ma longe et il va pouvoir y aller. Excellent. Donc, le non ou le stop. Et très bien ça mon cucu. Donc, maintenant, on peut aller travailler une chose. Attention, il faut bien distinguer l'arrêt de la position. Je m'explique. Rescue au pied, rescue stop. Je veux que mon chien s'arrête. Ensuite, que mon chien s'assoie, se couche ou reste debout, je m'en fiche. Maintenant, si j'ai envie d'agrémenter rescue au pied, rescue stop assis, je veux que mon chien puisse s'asseoir. D'accord? Petit point important, quand je travaille des positions à l'arrêt en balade, j'aime que mon chien soit dans le sens de la marche, pas devant moi, cucu. Et j'adore les avions. Encore une fois, on ne tourne pas, il n'y a pas d'avion. On met rec, il y a des avions. Rescue assis. Pourquoi est-ce que je veux pas avoir un chien devant moi? Parce que quand je suis en balade, je veux pouvoir saluer un piéton, mon voisin ou quoi que ce soit en ayant un chien calme à mes côtés. Chez les chiens, celui qui est devant, dans sa tête, c'est lui le garde du corps. Donc pour éviter à terme des problèmes d'agressivité, de protection ou de garde, en balade je parle bien sûr, et d'avoir un chien qui saute sur les gens par exemple, je veux avoir un chien à mes côtés, comme ça quand je suis à côté de mon chien, je peux saluer la personne, lui dire bonjour, être à côté de lui en ayant une laisse courte. Plutôt qu'avoir le chien eh bien, qui est devant moi en train de tirer. D'accord? Donc, voilà, petit bonus en plus. Maintenant, on va voir comment faire eh bien, si maintenant on n'a plus la longe. Alors, ça va se passer directement en lâchant la longe et je vais jouer cette fois-ci avec mon pied sur la longe. Alors oui, forcément, si ton chien part vite et que tu as le pied dessus, bah, il va s'auto-sanctionner avec le collier. Malheureusement, ça arrive, donc on fait quand même un petit peu attention, mais sache que ça va arriver. D'accord? Allez, cucu, go! Non! Je mets mon pied sur la longe, mon chien s'arrête, j'enlève le pied, je rappelle mon chien, allez viens,
Voilà. Soit tu as toujours deux options, soit tu le rappelles, soit tu peux lui dire d'y aller, go comme tu veux. J'aime travailler les deux, comme ça je sais que j'apprends à mon chien. Ok, il y a un truc qui t'intéresse là-bas, bah, je veux aussi que tu puisses revenir vers moi. Et la fois d'après, ok, bah, tu m'as regardé. Coucou, allez go! Très bien. Allez, là on est bon. Je vais répéter ça plusieurs fois avec la longe, avec, en mettant mon pied dessus. Comme ça, mon chien apprend eh bien, qu'il peut le faire sans que eh bien, je tienne la longe. Comme ça, c'est un début de travail. Rescue. Crash. Allez, maintenant, on va travailler un point important qui va être eh bien, d'approfondir mon nom. C'est un exercice que j'ai appelé le nom efficace. C'est parti. Pour apprendre et avoir un nom efficace, est-ce que tu rêverais pas de pouvoir dire non et que ton chien s'arrête dès que tu dis non? Eh bien justement, c'est ce qu'on va voir. D'accord? Donc comment faire? Tu vas le faire en laisse au début et tu vas montrer une poignée de friandises à ton chien. D'accord? Moi j'ai plein de friandises dans ma sacoche ici. Qu'est-ce que c'est mon cucou? Je lui montre, je vais le laisser y aller. Non! Et je sanctionne en même temps. Donc je vais redécomposer. Au moment où mon chien y va, je sais que c'est contre-intuitif. Ah oui, mais tu dis à ton chien d'y aller et après tu lui dis non. Bah, c'est ce qu'a fait notre moniteur d'auto-école quand il nous a dit tiens, roule tout droit et que d'un coup il s'est mis à piler parce que juste à droite il y avait une priorité à droite et c'est comme ça qu'il nous a appris. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on va apprendre à ton chien. Et donc au moment où je dis non, je sanctionne avec ce qu'on appelle une saccade. Regardez mes mains. C'est simplement un à-coup sec dans la laisse. Je reproduis en fait une petite morsure. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que les chiens ne comprennent pas les mots. Comprennent les actions, ou du moins ils associent une action à un mot. D'accord ? Coucou ? Non ! Excellent ! Et à terme, vous avez vu que là, j'ai juste eu à dire non, j'ai plus besoin de sanctionner, donc on est bon. Et à terme, allez mon coucou, oui ! Et après, je peux lui donner directement les friandises, on est tout bon, voilà. Donc cet exercice va me permettre à terme que quand mon chien est à distance, de pouvoir dire non et qu'il s'arrête. Donc une fois qu'on a fait le non efficace, allez mange ! En avant, soupe ! Voilà. Je laisse coucou manger. Et maintenant, on va aller travailler la même chose avec la laisse, avec la balle, totalement sans laisse, quand Rescue aura terminé son petit apéro. Rescue, on t'attend. Ben oui, mais là, les gens regardent la vidéo, donc dépêche-toi, on ne doit pas leur faire perdre du temps. Vite, vite, vite. Non. Très bien, un peu long. Un peu long. Et donc là, c'est moi qui décide, soit je rappelle, soit il y va. Coucou. Allez go ! Yes ! Et il peut y aller. D'accord ? Donc, j'aime dire non à la place de stop, mais j'aime aussi utiliser le non-stop. Maintenant, je vais agrémenter, je vais vous montrer. Coucou, que ce c'est ? Je vais agrémenter le non, le stop, même si le non devient mon stop, puisque ça apprend à mon chien à s'arrêter. Et à terme, je peux utiliser une position. C'est parti. Qu'est-ce que c'est, coucou ? Alors, là, on a un phénomène intéressant qui s'est produit. Eh bien, qui est que si tu répètes trop de fois ces exercices, comme on vient de le voir, bah, ton chien, au bout d'un moment, il va dire « Ah bah, je suis pas con. Ça fait 20 fois que tu me dis d'y aller et que tu me dis non après, bah, j'irai plus. » Donc voilà, quand vous faites ces exercices importants, faites-les 2-3 fois, la balade continue. On en refait 2-3 fois, la balade continue. Moi, vu que c'est un tuto, bah, je le fais en condensé, mais sachez que ce phénomène peut se passer. Donc si ton chien veut plus y aller, c'est pas grave. La balade continue, je vais aider mon chien. Allez, coucou, on y va, let's go. C'est très bien ça, mon rang. Ouh! Rescue. Et bon. Yep. Allez! On y va? Crash! Eh bien. Allez, go! Non! Top! Couché! Hop, hop, hop! Un étage de plus! Couché! Presque! Go! Allez, va! Top! Rescue, assis! Excellent! C'est bien, mon coucou! Et elle est où la balle? Va chercher, ouais. Donc ensuite, le but du jeu est déjà d'avoir un chien qui s'arrête quand tu lui dis non, quand tu lui dis stop par exemple. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment apprendre à un chien, eh bien, ce qu'on appelle les ordres à distance, qui s'assoit quand il est loin de toi ou qui se couche. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, je t'invite à aller visionner cette autre vidéo quelque part par là qui va t'aider dans l'éducation de ton chien ou de ton chiot. Et on ne l'oublie pas, EducDog. L'éduquer, c'est un cucu, c'est... L'aimer. Oh, qu'est-ce que c'est? À vous, toi aussi, tu le fais en balade. Ah, c'est kiffant, c'est bien mon grand. Salut à tous. Eh bien mon grand.